À plusieurs reprises, Carlos Tevez a fait savoir qu'il a été très envie de retourner à Boca Juniors afin de boucler la boucle, comme on dit. Mais à vrai dire, l'attaquant de la Juventus n'est pas encore sûr de rester au Bercail l'année prochaine. En marge du match remporté par la Juventus face à Vérone ce dimanche 4-0, le directeur général du club turinois s'est exprimé sur les rumeurs touchant Paul Pogba. Particulièrement inspiré sous le maillot de la Juventus cette saison, Paul Pogba semble dans le collimateur de la plupart des grands clubs européens. Mais il en est tout de même un qui résiste à son charme, si l'on en croit son technicien, il s'agit du Real de Madrid. Pogba au PSG, la Juventus pourrait abdiquer. En grande forme actuellement et encore buteur ce week-end, l'international français a été envoyé au PSG dans un assez incroyable échange avec Edinson Cavani. Selon la presse italienne, il n'en est rien à assurer Giuseppe Marotta, qui rappelle que Pogba a récemment prolongé et qu'aucun contact n'a lieu avec le PSG en ce moment. Mais le dirigeant piémontain a également expliqué que son club ne pourrait pas s'aligner en cas d'offre monstrueuse. Aujourd'hui, dit-il, il n'y a rien qui suggère que Pogba va aller dans un autre club. Mais nous ne pouvons pas lutter contre les salaires qui lui sont proposés. Nous avons certaines limites financières, honnêtement. Nous n'avons aucun contact avec le PSG. Et comme je l'ai dit, poursuit-il, avant, cette rumeur n'est pas vraie, a fait savoir Marotta, qui sait qu'un transfert en cours de saison est impossible, mais que la donne pourrait être différente l'été prochain. Ancelotti ne veut pas de Paul Pogba. À l'occasion d'un entretien accordé à Sky Sport Italia, l'entraîneur des Merengues a indiqué qu'il ne souhaitait pas recruter le milieu de terrain français. Pogba peut jouer n'importe où, dit-il, mais pas au Real Madrid car à l'heure actuelle nous ne sommes pas intéressés. Une déclaration plutôt étrange compte tenu des rumeurs qui circulent sur un possible transfert à Madrid. Carlos Tevez laisse la porte ouverte pour le futur. En effet, selon la presse italienne, l'Apache a nuancé ses propos et laissé entendre qu'il pourrait se réengager en faveur du club italien. Rentrer à la maison est juste une idée que j'ai eue. Je ne veux pas mentir aux gens et aux fans. Il me reste encore un an de contrat et je joue dans un club où je me sens chez moi. Je profite encore de ce moment particulier pour l'instant, a-t-il commenté. Rappelons que les dirigeants de Boca Juniors ont pour ambition de valider le transfert de Carlos Tevez en vue de l'année 2016. Voilà, ainsi se termine ce flash d'information. À présent, le rappel des titres. Carlos Tevez laisse la porte ouverte pour le futur. L'attaquant de la Juventus n'est pas encore sûr de rentrer au Bercail l'année prochaine. Pogba au PSG, la Juventus pourrait abdiquer. En marge du match remporté par la Juve face à Vérone, le directeur général du club turinois a malgré tout s'est exprimé sur les rumeurs touchant Paul Pogba, disant qu'il n'en est absolument rien du tout.
Enfin, Ancelotti ne veut pas de Pogba. Il en est tout de même des clubs qui résistent au charme du technicien français si l'on en croit à son technicien Ancelotti qui n'a pas encore besoin de Paul Pogba. Voilà.